Et c'est précisément pour lutter contre ce genre d'excès qu'en Italie, une petite ville au sud de Florence, en Toscane, a choisi la démarche inverse. Pour préserver un certain art de vivre, le maire a lancé comme un défi un mot d'ordre, slow food, par opposition précisément à fast food. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette démarche porte ses fruits. La ville n'a jamais été aussi riche et cette politique fait des émules. Reportage Gilles Rabine et Dominique Merlin. Prendre le temps de vivre, de flâner, de goûter le parfum de l'air, de travailler, d'écouter, de rêver, d'aimer. Parce que cet art de vivre se perdait, que sa petite ville se transformait en banlieue de Florence, le maire de Greve-in-Chianti a dit non et refusé en bloc toute nouvelle construction. Il y a des limites physiques, des limites de route, des limites de service, d'eau potable. Et si nous voulons maintenir un niveau minimum de qualité de vie et de bien-être pour les habitants, nous devons dire stop à cette évolution. Avec lui, tous les villageois ont dit stop. Depuis, Greve-in-Chianti, c'est l'histoire d'un succès. Exemple, Stefano, charcutier de père en fils depuis 3 siècles. Parce qu'il ne proposait que des produits locaux faits à l'ancienne, alors que les autres vendaient de la viande importée, moins chère, il a failli fermer dans les années 80. On serrait les dents, on ne gagnait pas d'argent. Tout le monde nous faisait concurrence, mais ça a été notre chance. Car aujourd'hui, ils ont tous fermé et nous, nous sommes ouverts, bien ouverts. Ce qu'il vend, il le fabrique lui-même. Ou comme pour ce fromage, sa famille connaît depuis plusieurs générations les familles qui le produisent. C'est la base du mouvement Slow Food, lancé ici en réaction au fast food, savoir ce qu'on fabrique, savoir ce qu'on vend, pour que les clients sachent ce qu'ils mangent. Slow Food, c'est s'asseoir à table tranquillement, goûter les plats, cuisiner lentement, soigneusement, comme on le faisait dans la cuisine traditionnelle du Chianti. Respecter la nature, encourager les productions locales, préserver l'héritage architectural, mettre les techniques modernes au service de l'homme, c'est une véritable charte qui a été constituée et ça rapporte. Du chômage ici, il n'y en a plus. Les jeunes ne quittent plus la ville, ils s'installent ici, ils fondent leur famille. 40 villes plus importantes suivent le mouvement comme Padoue ou ici, Orvieto. Le maire a construit sous la colline un réseau de tapis roulants qui amène les visiteurs au cœur de la cité, ce qui a permis d'interdire à la circulation le centre historique. Nous avons cherché à rester une ville d'art. Nous avons cherché à rester une ville confortable, agréable comme vous dites, mais sans devenir une réserve d'Indiens. Cette philosophie de vie est vécue sur ces terres toscanes comme un retour à l'éthique de l'époque de la Renaissance qui est née ici.